il s'échauffe. Oh, ça va rentrer. Oh, le but du Real Madrid. Ah, on voit bien le caviar hein, qui est donné sur ce but. Vous avez raison, il est servi dans des conditions mais idéales. Le plus dur était fait. Et c'est Ronaldo qui fait preuve une fois de plus d'un grand sens du but hein, sur cette action. Marcelo. Benzema. Benzema pour essayer de récupérer la balle. Dani Alves. Xavi. Andrés Iniesta. Le ballon en touche. Les joueurs du Barça qui vont récupérer la balle. Iniesta. Rodriguez. Karim Benzema. Ah, il vient buter sur la défense. Coup franc contre le Real. Karim Benzema. Oh, s'il trompe le gardien, c'est but. L'occasion peut-être avec cette frappe. Oh, Benzema qui marque. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Ah, et la balle qui était à deux doigts d'heurter la barre. Et le score, vous le voyez, ça fait 3 buts à 1. Ballon n'est pas trop compliqué à reprendre finalement. Oh, quel contrôle. Il peut enchaîner maintenant. Lionel Messi. Andrés Iniesta. Benzema. Karim Benzema. Avec Messi. Iniesta. Ah, c'est un plaisir de voir jouer Iniesta. Toujours le geste juste, toujours dans le bon tempo. Une arme redoutable et aussi bien au milieu qu'en attaque. Gareth Bale. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Modric. Une faute contre le Real Madrid. Un carton jaune pour cette vilaine faute. Une superbe frappe de balle. Il n'a manqué qu'un peu de précision. Et il a eu raison de tenter sa chance, même d'aussi loin. Mais ça passe à côté. Le FC Barcelone qui est bien évidemment l'un des plus grands clubs du monde, Franck, c'est une évidence. Bien sûr Hervé que c'est un grand club. Toute la Catalogne est derrière cette équipe et quels formidables ambassadeurs pour la région catalane que toutes ces stars internationales. Messi. Marcelo. Oh, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Oh, la jolie frappe! Et Xavi qui marque! On va le voir qui fixe le gardien avant de donner à son coéquipier. Fatalement, un petit contrôle. Et le grand tourneur, c'est crucifié, c'est parfait. Et ça fait 3-2, un petit bout d'écart. Peut-être le but! Pas de souci pour le gardien. On va tenir finalement corner. La défense qui repousse ce ballon de la tête. Il repousse le tir. Voilà. Il y a peut-être quelque chose de bien à faire là sur ce ballon pour le Barça. Oh, c'est bien parti. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Modric. Oh oui. Oh, quelle occasion. Oh, sur le poteau. Oh, qu'elle est bien partie. Oh, le but du Real Madrid.
ça fait 3. Ça fait 3 buts personnels pour lui. Et le score qui est maintenant de 4 buts à 2. Décidément, on a des buts. Oh, la belle frappe. 2 pour le FC Barcelone. Quand on regarde le score, on se dit que les temps sont difficiles pour les gardiens et les défenses. Hein. Oui, le bon tacle. Iniesta. Les deux joueurs à la lutte. Rodriguez. Rakitic. Une très bonne anticipation du gardien. Il n'a pas hésité à quitter. Et l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire sur ce joli score de 4 buts à 3. Première période très peu. Avantage pour l'instant au Real Madrid qui mène à la mi-temps. Début de la seconde période dans un instant. Rodriguez. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Neymar. Il n'y a pas assez de conviction dans la passe. Et Cristiano Ronaldo maintenant. Oui, joli 1-2. Andrés Iniesta. Neymar. Le Blaugrana à la construction. Alors, l'arbitre a sifflé, va-t-il sortir un carton? On voit ce but une nouvelle fois. Le Suarez. Rakitic. Avec Messi. Rakitic. Ouais, joli tir. Et ils sont toujours menés d'un but. Ah, c'est bête de rater cette balle d'égalisation. Karim Benzema. Oh, il fait ce qu'il veut et se balade littéralement dans la défense. Oh, la lutte est en train de reprendre ce ballon. Oh oui, c'est le face à face avec le gardien. Attention, le contre-assassin maintenant. Et la voilà, la frappe. Oh oui, le but. Oh, c'est l'égalisation. Et c'est son deuxième but personnel, il a peu. Peut-être pas s'arrêter là. Et Cristiano Ronaldo maintenant. Rodriguez. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Suarez. Les 30 derniers mètres. Oh, le beau tir. Ah, ils avaient bien l'intention de faire la différence, mais c'est raté pour ce coup-ci. Modric. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Le Suarez.
Neymar qui va reprendre le ballon. Benzema. Cristiano Ronaldo qui est venu au contact. Oh, il y a du monde dans l'axe, attention, il y a danger. Superbe tacle de Xavi qui récupère. Dani Alves. Suarez. Lionel Messi. Ouais, le jeu était là, bien vu. Ouais, elle est dangereuse cette frappe. Ouais, ce sera un coup de pied de coin. Le ballon bien dégagé de la tête par le défenseur. Par Alba. Lionel Messi. On en reste sur ce score de parité. Aucune équipe n'arrive à trouver la faille pour le moment. Cette rencontre est vraiment indécise. Le drapeau s'est levé. Il a déclenché ce qu'on appelle le bal un petit poteau. Neymar. Andrés Iniesta. Ah, il espérait passer sur le côté, mais c'est. Fait prendre Cristiano Ronaldo, entraîneur de l'équipe visiteuse, qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Ouais, elle est bien partie cette frappe, et le gardien qui s'envole et qui repousse ce ballon. Real Madrid qui sait que ce corner peut tout faire basculer. Il faut s'appliquer hein, sur ce corner. C'est une bonne occasion. Luka Modric. Oh, la belle frappe. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Rafael Varane. Cristiano Ronaldo. J'ai envie qu'il reprend ce ballon proprement. 5 minutes de temps additionnel, 5 minutes. Xavi. Allez, attendons de voir cette attaque des Blaugrana avant de dire que ça se terminera sur un match nul. Neymar. Ça passe pas loin. Hein. Ah, c'est dommage parce que c'était un ballon important, le genre d'occasion de pas rater. Modric. Javier Hernandez. Oh, c'est un. Oh, elle peut aller au bout. Oh, quel joli tir. Elle s'est blessée et d'après le geste, ça ressemble à une élongation. Rafael Varane. Encore le gardien, c'est gagné. Ah, ça peut aller au bout. Oh, qu'elle est bien partie. Oh, ça fait but. Ça fait but. À quelques minutes de la fin, ils prennent l'avantage. Oh, c'est un but assassin. Un but assassin. Et Hervé, grâce à ce but marqué dans les arrêts de jeu, la victoire semble maintenant se dessiner pour eux. Et si c'était tout simplement le but de la victoire, Hervé. Et vous venez de l'entendre, c'est la fin de la partie. Dernier coup de sifflet de l'arbitre. Franck, un mot sur ce match qui a tenu toutes ses promesses. Hein. Eh oui, l'enjeu était de taille hein, et pour les supporters. Eh bien, cette victoire fait du bien. Pour eux, ce n'est pas loin d'être le match de la saison. Alors, quand on l'a gagné, eh bien, on la savoure, cette victoire.